ou sous Wendy 509 et vous faites bon choix. Bonjour, bonsoir, amis internautes qui branchent de partout en Haïti ou à l'étranger. Nous saluons tout Haïtien qui est connecté dans le moment ça. Et nous gagnons salutation un peu particulière pour les gens qui en Guyane française, en République dominicaine, des gens qui sont dans le pays de la Turquie, des gens qui sont en Amérique du Nord notamment, au Canada et dans le pays États-Unis. Alors, l'actualité est dominée par les gangs, puisque conseil de voice qui tombait là en même temps, Barbecue, Jeff Gaulois, Chrysla, Negyo Lagué, 100 000 à l'heure, dans le cordon kato. Pendant que la nation est en danger, pendant que le gouvernement campait presque en mode de démission, gang yo continue à ferrailler, l'opinion a pas agité, pendant gang yo presque gagne bataille communication. D'abord, gen Barbecue qui lagué en voice. Nous pas prendre lagué voice là pour nous faire entendre le tout début, puisque ça qui est plus important, c'est analyser séquence par séquence. Ça qui est véritable message qui caché dans voice que Barbecue lui-même lui mettait de yo. Peut-être à la fin, nous capables de rouler intégralement voir ça, parce qu'on a fini par déjà comprendre qui ça Barbecue te voulait dire à travers audio que l'il a gagné là sur tout réseau. D'abord, on nous avance avec première séquence dans voir ça. Si nous prenons première partie ça, Gomba et Barbecue dit qui est important. Depuis où qu'on fonctionnait avec, on a retourné sur lui. Depuis où qu'on fonctionnait avec, ça veut dire que Barbecue a parlé de questions mercenaires. Or, en Haïti, il n'y a plus gros mal qu'à prolonger politique, là, pays, là, voire même société. Là. C'est des mercenaires politiques mélangés avec des mercenaires économiques qui décident y a qu'un pays là, dans l'état ça, parce que seul intérêt que vous avez à défendre, c'est des intérêts d'abord politique pour toujours gagner pouvoir et des intérêts économiques pour toujours gagner moyen pour gagner pouvoir. Donc c'est une plus gros mal que pays en lui-même l'a connaît et c'est contre ce mal nous obliger bataille. Lundi nous hein, de jeunes garçons et jeunes filles qui supposaient entrer dans politique là qui pas mélangé avec gang, qui pas mélangé avec nèg dans secteur privé qui finance gang, qui pas mélangé avec des nèg qui soif pouvoir pour aller régler propre cause pa yo. Donc le Barbecue qui lui même parlé de depuis qu'on fonctionnait avec, ça veut dire Barbecue qu'on prêtait service li avec mercenaires ça yo. Ça veut dire Barbecue lui même tout li fait partie de ces mercenaires qui a pédé nèg yo soit dans prend pouvoir, soit dans goumen une contre l'autre. Donc nèg yo c'est comme ça yo fonctionner. C'est youn servi à clot. Donc Barbecue yo servi avec et li servi avec yo tout et youn compte sur l'autre. Ça veut dire Barbecue lui même à un certain moment li te compte sur nèg politique pour te faire que dossier dans la police retourne en dossier qui traité et puis voilà que nèg yo passe Barbecue dans farine et puis même Barbecue qui sorti en résistance et puis le tomber dans gang. Donc ça veut dire youn compte sur l'autre. Mais youn fait job sale pour l'autre tout. Parce que pas oublier Barbecue t'a toujours dit que nèg te conserve avec pour yo faire lock et lock contre qui est contre Jovenel Moïse. Nèg te conserve avec pour youn craser l'autre. Pas oublier que Barbecue pas gain business. Le Barbecue prend zam, l'a surveillé business. Et puis l'a tiré sous tel business contre l'autre. C'est youn fait job sale là pour yon l'autre. Et tout ça yon kap regle là, yon lié avec des intérêts d'abord politiques pour prendre pouvoir. Parce que l'on pouvoir vient dans l'État, ou capable permettre que nèg sa yon gagne un gros contrat. Donc, c'est politique là qui pral mener économique là. Qui donc, deux mercenaires sa yon, mercenaires politiques avec mercenaires économiques, yon servi avec gang yon. Donc, nèg te kou Barbecue. Ouais, j'en dis, depuis ou qu'on fonctionne avec, et qu'on fonctionne avec l'autre nèg qui n'en vivent ensemble, l'a dénoncé au kounia. Nous vivons dans une situation, côté ces dénonciations qu'a fait, youn a accusé l'autre. On partit pour une deuxième séquence. Alors, dans la séquence ça, Jimmy Cherizier à la Barbecue, monsieur Gomba, il montre. Comme si, c'est toujours dans l'intérêt économique
ak politik, youn, al jwenn lot, se toujou an kesyon de mersenèr. E mersenèr sa yo, se yo menm ki kontrole pò, yo menm ki kontrole pò ki gen nan Okap, pò ki gen nan Miragwan, pò ki gen nan Saint-Marc, e se yo menm ki fè kontreban nan pò sa yo ki fè ke l'Etat pa ka rentre l'ajan, piske lenèk sa yo gen marchandiz yo. Ou pa menm ka inspekte kontene yo, e an pil fwa, kontene sa yo kon gen zam la dan yo. Men, ajan douan yo pa ka kone poske yo pa gen doa pou yal inspekte kontene sa yo. E pi, an di kontene sa yo gen zam, neg yo bien fasil lage zam ou bien van zam bay de neg ki nan ghetto. Pou fè ki sa, pou fè job sal pou yo. Se toujou an kesyon de mersenèr politik avèk de mersenèr ekonomik ki mete tèt yo ansanm, e pi, yap tout pizi malere. Yap tout pizi populasyon sivil lan. Donc se sa barbe ki ou fè n komprenn nan a travèr sekans sa tou. E pa bliye, san bral di a li trèz enpòtan. Barbecue, au début, l'ité dans affaires politiques. Tout pendant monsieur policier, l'ité gagné de groupes politiques qui étaient affiliés avec eux. Et nous songe barbecue, dans plusieurs interventions que le fait dans les médias, l'ité dit clairement que lui-même au début, l'ité a supporté qui est Jude Célestin. Ma pour prendre. Fon pa bliye ke barbecue nan plusieurs interventions ke l te fè anvan, li te kon di ke l ap supporte Jude Célestin. Alors, Jude Célestin ki kandida l te ye? Kandida l'espoir, kandida unité. E ki est ki te toujou boss Jude Célestin? C'était nou sonje sa, Dimitri Vorb. Donc, e barbecue li menm avant ke l te endosse Jean-Charles Moïse, barbecue t'est toujours avoué que c'est nan Jude Célestin que l'était yé. Et il t'est qu'on fait campagne pour Jude Célestin. Kounya là, faut essayer comprendre équation. Faut essayer qu'on fait raisonnement pi bien. Ça veut dire là, à un certain niveau, Dimitri Vorb c'était boss Jimmy Cherizier alias barbecue. Gen boss direct, gen boss indirect. Gon l'autre baïn capable dit tout. Jimmy Cherizier alias barbecue à un certain niveau c'était équipe Don Kato parce que qui dit l'espoir qui dit unité qui dit Jude Célestin dit Préval dit Don Kato dit Dimitri Vorb donc si on est tant que barbecue t'a supporté et Jude Célestin ça veut dire de fait ou t'es directement ou bien indirectement et embamé on est tant que Dimitri Vorb. Comprenez bien? Donc Dimitri Vorb, c'est patron direct Don Kato, il pas jamais caché ça. Patron indirect barbecue par rapport avec Jude Célestin et puis l'équipe de Préval. Faut comprendre bien. Faut gagner archive, faut songer et puis faut analyser pour ne pas voir tête dans yeux. Donc et pour l'histoire avec la vérité, ça qui est important pour nous dire tout c'est que et question importante moun pose. Qui sans voye monter, sans manipulation, est-ce que c'est politique ou bien oligarque tant que Dimitri Vorb qui te bay barbecue zam? Ça gagne au moins 9 mois. Barbecue te répond question ça même nan micro Romanes. On retourne sous lui. Alors, trois noms sa yo qui cité là. Barbecue, Dimitri Vorb, Don Kato, n'importe Jean Virenegio, c'est comme des trois mercenaires. Gela donc c'est des mercenaires économiques, donc Dimitri Vorb, et deux autres Negio, c'est des mercenaires politiques. Y a fait job ça là pour des nègres qui dans le secteur privé. Don Kato, lui-même, t'es qu'on observe Dimitri, ou peut-être qu'il toujours observe Dimitri Vorb. Et indirectement, barbecue t'a servi le camp de Dimitri Vorb par l'intermédiaire de Jude Célestin que le t'a supporté. Donc comprenez bien. Maintenant nous parler dans une autre séquence. Qu'il y a là une autre question. Est-ce que Don Kato c'est bandit? Jean barbecue présenté là, Jean Campil là,
Jean en pile dans nous tout nous penser. Question ça, nous ca à la fois dit oui, nous ca dit non. Pour nous dire oui, c'est que l'organe des actes que nous ca tout fait dans parlement. Monsieur vini avec bon zanmi, bon nèg li, bon fanatik li. Nèg yo saboté aux institutions qui relè le parlement. Donc action ça que ca tout fait yon, c'est ton action de bandit. Non seulement gen bon nèg li et puis nèg yo t'a crasé, yo t'a brisé sans respect pour l'institution qu'on appelle le parlement. Donc ouais ça c'est action yon bandit. Donc on est qui commet action bandit en quelque sorte ou son bandit. Parce qu'on doit reconnaître moun nan à travers action que la posé plus qu'à travers discours. Non seulement en pile fois quatre kon gon discours de bandit, mais il posait des actions qui semblait être coupé avec action bandit. Donc déjà par rapport à ça, on est capable de dire oui, Kato son bandit. Mais on est capable de dire non tout. Par rapport avec Jean-Pil nan nous comprenne bandit. Si on demande nous, est-ce que Kato nan touye moun? Est-ce que l'an kidnapping? Est-ce que l'an vol? Est-ce que l'an viol? Nous ka dit que nous pas gen preuve jusqu'à ce que nous capable de dire non. Nous obligé de dire non. Dans la mesure où nous n'avons pas preuve de ça, mais nous avons dit oui pour l'autre aspect, parce que nous avons preuve que quand nous avons avec toute bonne nègre, nous avons saboté le Parlement. Donc, comprenez bien. Gon deuxième partie, côté Jimmy Cerizier, Monsieur Barbecue, Monsieur font comparaison, Wyclef, ou bien Wyclef, Don Kato. C'est vrai, Wyclef et Don Kato, c'est deux artistes différents. Il y a une qui a une dimension planétaire. Toute la planète reconnaît, on est avec Wyclef Jean et reconnaît comme un haïtien d'origine. Alors que Don Kato, c'est la communauté haïtienne qui plus connaît. Mais, gon côté, Barbecue Pacal là. Nous pas qu'à camper, on est avec Wyclef comme un gros haïtien. En aucune manière, pas aucune façon pour camper Wyclef, t'as un gros haïtien. Donc, le fagon poule dans le pays, il pas investi dans le pays, il pas vine dans le pays, il pas fait promotion pour le pays. Donc, il pas un gros haïtien. C'est vrai, nous d'accord, à un certain niveau, l'équipe Wyclef qui a dit qu'il ne faut pas aller pour Haïti, Wyclef parle pour Haïti, mais Wyclef c'est comme il a fait aux États-Unis. Et le pire, Wyclef utilise les haïtiens pour le faire l'argent. Bon, pourtant, dans le pays, il y a un problème. Pour qui ça se kounye a, Wyclef, et c'est dans sens ça tout, Wyclef l'a aidé. Wyclef t'es capable toujours encourager moun qui était là avant yo, Et en plus de ça, Wyclef c'est une nèg qui contribue nan meten kote nye a la par rapport à l'équipe que le tap supporte. Donc, en aucune manière, pas aucun gens là, pour camper Wyclef comme un nèg qui patriote, comme un nèg qui sont gros haïtien. Non. Autant que nous pas qu'après Don Kato comme un gros sénateur, ni comme un gros haïtien, nous pas qu'à rentrer dans l'affaire Wyclef là. C'est l'autre monde tout neuf, tout bon, haïtien tout bon, pour nous les gros haïtiens. Donc, comprenez bien. Alors, Gomba est pour nous comprendre tout au-delà de l'analyse et par séquence que nous faisons de audio ça. Où a fait Gangnan, lié avec question mercenaire politique et mercenaire économique. Et Gomba est qui la kounia. C'est toujours politique qui besoin pouvoir utiliser mon économie pour jeune moyen pour bailler pouvoir et puis deux mercenaires ça yo yo entendu yo pour écraser l'état et pour capable tabler l'autre pa yo l'état pa yo qui pour faire que yo continue tout pisi mal région ouvlé et ça ouais son bagay qui marquait toute l'histoire pays ya et ça même de ces gangs là n'est cap craser l'autre qui établi n'est cap des artisans de l'instabilité La petite histoire avec Adi Jean Gardi, apprenons-nous que gang yo paraît, et depuis après le mort de Saline, oui, ça veut dire, l'ordre qui établi par de Saline, non, l'été effondré. Entendez? Alors, gang allé, gang tourné, c'est un coup, l'histoire qui toujours a recommencé. Mais vous connaissez ça que l'histoire toujours a recommencé dans ce sens-là, c'est parce que nous pas imiter de bons modèles dirigeants qui ont même qu'on prend courage avec deux bras, pour yon bataille contre l'instabilité, pour yon bataille contre le désordre, pour yon bataille contre la paresse,
pour yon bataille tout contre gang. Donc, yon pas besoin d'un pile dirigeant non qui décide de mettre canson dans taille pour le bataille contre gang. Li plus facile pour yon quitter gang ferraille parce que yon ka utilise gang yo. J'ai fait ça dans toute histoire pays hein? Parce que nous pas dire dans toute histoire pays hein? Tout le monde c'était gang, mais yon te kon agi tant que gang. Yo te kon agi tant que gang dans la mesure où son bon nèg qui te décidé, y a craser l'état, yo refaire l'état dans intérêt pa yo, toujours instabilité, désordre, toujours fon gen force et étrangers qui a vini pour vinn tabli l'autre. Et mais c'est presque même genre avec les gangs. C'est presque comme ça. Et histoire pays nous fait 40 ans, nous fait 30 ans, nous fait 20 ans. À chaque grosse séquence dans histoire nous, toujours il y a des groupes monde comme ça qui prend les armes illégalement qui veulent que c'est l'autre pa yo pour régner. Jusqu'à ce que des monde qui pense que pour le mangala son baï mystique que lié. Son baï mystique que lié. Donc l'entendez audio ça. L'entendez audio ça. Ou capable dire tout que ou comprendre ça que fait Abinader, monsieur, li campé comme ça avec gang yo. Et parce que monsieur gagne le sens de l'histoire, li songe que des gangs en Haïti te contribué pour mettre des présidents l'autre bord frontière. Ou pensez Abinader lui-même, li pa konn histoire ça. Ou pensez Abinader lui-même, li pa konn capacité réelle gang yo. Ou pensez Abinader pa konn que en Haïti, gang yo li avec des mercenaires politiques et économiques. Même yo même qui facilite que gang yo joine zam pour acheter ou bien ba yo zam, c'est même yo même nan tout k'ap mande écraser gang. Donc c'est un système que nous créer, nous fouye gang la donne. C'est ça que lié, nous fouye gang la donne. Donc alors comprenez bien, l'histoire c'est pas gon moun ki campel qui pour bataille avec un pile courage contre gang yo, n'a pour retourner dans gang même si n'ta fin touye tout ça gen là. Donc je dis à fòl camper contre ça. Contre l'instabilité, le désordre, faut mettre l'ordre dans le pays et faut tracer un exemple. Et ça fait une baka négocier. Parce que les bien-être dans négocier, c'est possibilité tout en même temps, nous bail pour phénomène reproduit plus vite. Donc faut tracer des exemples, pas qu'aucune société qui avance sans exemple, sans justice. Sans on pas rendre justice avec monde qui victime. Je dis à la plus parler de. Je plus parler de négociation pour gang yo. Que vous parlez de négociation pour bail justice avec moun que gang yo tout pisi décapitaliser violer voler affaire détourner marchandise yo. Alors ces négociations sont négociations qui visent à rendre justice la pi bien qui fixe temps prison pour nèg yo qui bail nèg yo on série de options tant coup la mort prison ou bien yo même mandé non seulement ça tout mandé pardon avec population hein? Et puis rendre justice avec moun ki victime yo et bien ça ça ka aller facilement dans négociation mais autrement nous pas ka aller dans négociation malheureusement. Merci tout amis internautes yo qui t'était branché émission ça Pablo sur Wendy 509 haïtien tout partout branché émission ça nous saluer si là qui en Argentine au Brésil en Équateur dans pays Chili nous saluer si là qui en République Dominicaine, en Guyane française, dans le pays Suriname, nous saluons moun qui tout partout, haïtien qui dans diaspora, qui dans pays la Turquie, qui dans pays Mexique, Nicaragua, haïtien qui dans pays Panama, haïtien qui dans pays États-Unis, Canada, Mexique, haïtien qui dans pays l'Espagne tout partout qui branché Wendy 509 509 là, c'est aria code nous toutes, té pour c'est haïtien n'importe côté ou ka reline zami. Pas oublier partager. Pas oublier like, partager dans tout groupe, dans tout réseau et puis, juste dans une autre vidéo.